Beatles e Rolling Stones, girava il mondo, veniva dai Stati Uniti d'America, non era bello ma canta se aveva mille donne, se cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi fu richiamata in America, stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, adesso è nel Vietnam. Et pas la vie, après c'est triste, ah non, après c'est triste, c'est triste. Elle a compris cette chanson ? C'était sur la guerre du Vietnam. D'accord. Et le et ben l'Américain, sa guitare a été réclamée en Amérique. Mais à chaque fois que je chante celle-là en premier, pour mettre l'ambiance, évidemment. Ça, c'est sûr, c'est... Mais ici, je trouve le calme et la sérénité. Voilà. Et on a des copains, on se fait des relations. Ben, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que je. Ben, si, tout quand même. Combien de temps vous venez ? Ici ? Presque depuis le début. Hein. Ça fait 3 ans que ça existe ici. Et ben voilà, à peu près. Oui. Enfin, c'est... Voilà Marie, tenez. Les chai, les deux chai. Oh, oh, oh. Eh bien, tu sais quoi, je vais en faire un aussi avec vous. Allez, super. Trop cool. Super. Un autre monde est possible. Et donc, du coup, un café associatif, salon de thé, c'est un lieu de rencontre, d'échange qui permet justement de se rencontrer autour d'idées un peu ou de valeurs qui peuvent se ressembler. Et justement, là-dessus. Ce qu'on n'a pas dans les cafés classiques, où quand on va boire un café, ben on paye, on est un consommateur et puis on s'en va une fois terminé. On peut lire un livre, à la limite, on peut discuter avec des gens qu'on connaît, mais bon, voilà, ça s'arrête là. Parce que là, ben, donc un café au salon de thé associatif, ben, c'est un peu plus que ça. C'est un lieu de mixité sociale, forcément, on est ouvert à tout le monde, quoi. Donc on est aussi ouvert à toute personne, et même quand elles ont des problèmes divers et variés, de comportement, de substances, de maladies, de handicap, de pauvreté sociale. Voilà, on a beaucoup de personnes qui passent, parce qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc on a beaucoup de personnes qui viennent ici. Ah oui, ah oui. On a aussi beaucoup de gens qui sont de la rue, qui viennent ici parce que on les accepte tels qu'ils sont. Donc des fois, on peut leur donner ce dont ils ont besoin, un peu d'écoute, de réconfort. On peut les aider à leur dire où est-ce qu'ils peuvent aller, dans lesquels organismes ou lesquelles associations. On avait demandé depuis 3 ans à la mairie si elle voulait bien nous prêter un jardin. Un jardin partagé. Et donc on a eu l'accord là, ça devrait arriver bientôt. Rue des Tignies, un passe Oliver, ouvert aux habitants du quartier. Et sur nos thématiques, donc toujours de l'art, la culture et l'écologie. Donc ce jardin, on va l'appeler le grain de lune. Et donc c'est un jardin qui est ouvert aussi aux habitants du quartier. En fait, c'est une approche très ludique, poétique et humoristique de base. Moi j'espère qu'on va vers un espace organique. Un espace organique, c'est un espace qui correspond aux besoins de la terre. Holistique. Si je vais, voilà, holistique. Si je vais sur ce terrain, eh bien, je vais regarder des plantes qui vont me permettre de comprendre ce qui s'y est passé. Tu vois ? Ce qui s'y est passé. Donc ça s'appelle les plantes bio-indicatrices. Donc nous allons jouer avec ces plantes bio-indicatrices. Et nous allons voir comment nous allons pas violer l'espace, mais être complémentaires. D'abord l'admirer, après le respecter, pour risquer de l'aimer. Comment ? C'est quoi ? Alors ça, eh bien, en fin de compte, c'est le début d'un panier. Okay. Voilà. Alors là, tu vois la colonne vertébrale. Et en fin de compte, dans un panier, comme je l'ai fait, ce qui est important, c'est la colonne vertébrale. Il y a un tas de techniques comme ça. Parce qu'en fin de compte, ce qui est grave, c'est qu'on a beaucoup de choses, mais le fait de ne pas connaître, on perd tout ce qu'on a. Donc, c'est réfléchir à toutes ces choses-là, comment nous pouvons optimiser tout ce que nous avons. Tu vois, par exemple, ça, c'est un déchet. Eh bien, je vais faire un panier avec lequel tu vas pouvoir soulever
une quinzaine de kilos. Ce qui m'intéresse dans ce genre de choses, c'est de produire des ateliers qui vont être sur la vinderie, qui vont être sur le compte, et le compte interactif. Ce qui m'intéresse, c'est savoir, savoir-faire et faire savoir. Que tu puisses, avec une histoire, t'en servir et puis la propager. La jouer. Avec de la joie, avec du plaisir. Parce qu'il y a du plaisir à redonner ses espoirs. Quand tu deviens plus vieux, eh bien, tu transmets tes espoirs.